Eh bien, rebonjour à tous les amis, ici Valmanjack, j'espère que vous allez tranquillou. Aujourd'hui, on se retrouve pour un live sur Yandere Simulator avec le pause mode de KFGTBZ, si je l'ai bien prononcé. Alors, je dis heureux parce que j'avais déjà lancé un live, mais ça avait du mal à arriver. Pendant 20 minutes, j'étais en train de découvrir ce pause mode un petit peu spécial. Donc, pour moi, ça m'était un petit peu compliqué. Donc, je vais vérifier que je suis bien en direct, parce que des fois quand je relance les lives ça bug un peu. Donc du coup voilà, j'espère que ça va réarriver. On va vérifier le son. D'accord, donc on a le son du micro et le son et la petite musique de fond. Alors Eliana est de nouveau là, donc voilà. Justement, donc j'attendais son arrivée pour en savoir un peu plus sur ce pause mode un petit peu spécial. Donc voilà, je te demanderai comment on fait pour enfin il me semble hein, comment on peut faire pour déplacer des objets style ce sakura ou un casier ou une chaussure ou pas, ce qui me semble, à moins que je dise des bêtises, me semble qu'on puisse déplacer ça, parce que sinon je vois pas l'intérêt de ce pause mode là. Ah, à part peut-être créer des cutscenes ou n'hésite pas à me dire qu'est-ce qui peut être intéressant. Alors, les trucs que j'ai vus, vous n'avez pas loupé grand-chose, hein, je vous dis franchement. À la limite, en attendant les réponses, et ou peut-être que tout le monde arrive, ce qu'on peut faire, donc il faut appuyer sur X pour l'activer, c'est qu'on peut... Et en plus, je ne sais même pas comment quitter après ce truc-là, clairement. En plus, je peux même pas utiliser la manette complètement. Je suis obligé d'utiliser et la souris et la manette. Donc, de une, j'avais remarqué... Voilà, comme ça, on fait le récapitulatif parce que j'ai supprimé l'ancien live. Il n'était pas très intéressant. Mais donc ça, j'avais remarqué hein, qu'on avait la tête de Ayano. Ça, j'avais déjà remarqué avec des bugs dans d'autres vidéos que j'ai faites. Mais par contre, voilà, je m'étais demandé pourquoi il y a cette écriture de merde. Qu'en plus, on voit au final d'en dessous. Mais en fait, je crois que c'est tout simplement que c'est la vue de la carte. Et c'est pour ça qu'on a la tête d'Ayano et Senpai aussi. Et bon, j'ai retiré Osana, mais peut-être qu'on peut voir la rivale. Alors, non, je crois pas qu'elle est, qu'on peut la voir sur la carte. Mais voilà, il y a tout qui est détaillé. Hein. Par exemple, attends... Info-chan room et des conneries comme ça. La classe 1-1, 1-2, etc. Cafétéria. Voilà, tu as pas mal d'écriture. Qu'est-ce qu'on a vu? Donc, j'ai regardé un petit peu le sol. Donc, ça, je l'avais remarqué bien avant le pause mode de KFGT. Je veux dire le pause mode KG. Hein, voilà. Sinon, c'est compliqué. Alors, j'ai cherché d'abord la petite Megami. Je fais un rapide petit récapitulatif. Donc, c'était il y a très longtemps, je l'avais vu chez Frit, hein, bien évidemment, le pause mode. Donc, c'était il y a 2 ou 3 ans. Donc, voilà, hein, c'est pas pour autant que... non seulement je m'en rappelle plus, mais en plus... ben, voilà, il y a peut-être plein de choses qui ont changé. Megami était à l'époque derrière les maisons. Mais Brian m'a dit, et d'ailleurs là, on l'a vu parce que j'ai pas fait exprès, j'étais descendu dans le sol... Megami est maintenant ici. Donc voilà, ça fait un rapide petit tour pour vous montrer un petit peu ça. Donc voilà, on a un rideau de nuages. Et voilà, tout. Voilà, vous vous dites, je vais faire la même blague. Hein, vous dites qu'il y a des villes qui sont immenses. Voilà, Tokyo est une ville gigantesque. Bah oui, bah, en fait, ils ont mis des cartons partout. En fait, il y a peut-être que 2 rues et tout le reste. C'est du Hollywood, voilà, un peu moins bien fait. Et ça, je me demande si c'est pas la cutscene justement avec Osana et Senpai ou je sais pas quoi là qui raconte qu'elle a fait un rêve. Que d'ailleurs, je sais même pas de quoi elle a rêvé. Et voici notre charmante Megami que j'aime bien, sauf que là, une pose un petit peu chelou. Bon, bref, peu importe. Et Ayano, si j'arrive à me. Ouais, elle est juste là. Donc voilà, maintenant j'ai fait le tour avec le Fly with Camera, mais je n'arrive pas à le quitter. C'est juste ça qui est dommage, j'ai beau faire Escape, téléphone, ce que tu veux, je ne peux pas. Donc voilà, je vais lire vos commentaires en attendant.
Donc, attends, juste là, j'ai une longue liste. Alors, je sais pas comment on fait. Ah, bah merci, c'est sympa. Je sais qu'on peut le faire. Ah, d'accord. Mais je sais qu'on peut. D'accord, donc c'est pas des conneries. Fly with camera, tu appuies sur Q pour quitter. Ah, bah merci. Oh, magnifique. Bah oui, c'est la touche retour. Oh, bah c'est bien. Donc au moins, j'aurais pas besoin de relancer le jeu. C'est déjà magnifique. Et c'est ça, le fly with camera qui bug, c'est pour ça. Ah, ok. Elle y est plus... Oh, elle était là. Ah, tu parlais de Megami. Ouais, c'est ça. Ray 6 qui est de nouveau là. Et on a Karine. Salut à toi. Je me demande... non, je crois pas que tu es nouvelle. Il y avait déjà une Karine à un moment que j'avais vu, mais après, je sais pas. N'hésitez pas à dire ou pas. Vous êtes nouveau, nouvelle, etc. Donc, bien évidemment, ce qui est nouveau pour moi, c'est le post-mod de KFGTBZ, que j'arrive peut-être même pas à prononcer correctement, mais on s'en fout, on a compris. Donc, je suis vraiment en train de le découvrir. Alors, je pensais que Eliana, tu allais m'aider peut-être un peu plus. Mais... ce que j'ai pu voir pour le moment, donc il n'y a pas beaucoup de choix. Donc Fly with Camera, ça je l'ai bien compris. Ensuite, là dans Stuff, donc tu as des scènes. Je vais essayer de découvrir un petit peu. Donc tout ça, je ne sais pas trop ce que c'est. À part. Non, je crois que c'est les petites cutscenes justement. Qui ne servent pas forcément à grand chose parce qu'on les connaît. Si t'as juste envie de les revoir, mais bon. Life Note scène, ok. Je suis en train de voir. Osana Joke scène. Voilà, bon, limite, ça, c'est bien de voir des scènes si c'est un petit peu compliqué à réaliser ou un peu trop long pour les voir, pour toi faire des vidéos ou des conneries comme ça. Mais sinon, je ne vois pas trop l'intérêt exactement. Attends, voir Screen, ça peut être quoi ça? Alors, Show Yandere Chan Through. Voilà, j'arrive jamais à le prononcer. Donc, on montre Yandere Chan vrai. Voilà comment je le comprends. On la montre. Bah, on va mettre faux alors. Oh, bah, elle est invisible. Bon, bah, voilà. Et c'est quoi nos clips? Attends, peut-être qu'il faut que je la mette alors. J'essaye de découvrir, hein. Nos clips. Oh, attends. Là, il y a un truc. Ok, j'ai des coordonnées, mais ça, c'est quoi? Attends, je vais laisser les coordonnées pour savoir si c'est moi. Oh, mais ça peut être intéressant si c'est moi, s'il y a un objet à chercher. Comme ça, tu retiens. D'accord, au moins... On va vérifier, parce que ça peut être quelque chose... Attends, elle est en train de se déplacer. Par contre, il faudrait qu'on m'explique pourquoi... Le Y, il bouge pas. Attends, le X. Le R, Y, Z. Attends, moi, je me base surtout sur le X, Y, Z. Hein, le R, X... Tout ça, je m'en fous un peu. Le RY. Je sais pas ce que ça peut être, ça. Attends, je regarde juste le Y s'il bouge. Ouais, c'est bon. Ok. Je regarde hein, pour voir c'est bien les coordonnées de Ayano. Je me demande où il est le coordonnée 0. Attends, voir, c'est... Ok. Et là, ça descend. Je regarde juste. Non, c'est en train de... Ah ben, à mon avis, c'est la fontaine. Voilà. Coordonnée 0, ça doit être là. C'est le centre du monde. Sauf qu'on peut pas trop le... Ok, donc, au moins un truc d'intéressant. Si tu as un objet à chercher, par exemple, la salle des démons, bon, elle est juste au-dessus de la fontaine. Mais, des fois, il y a des trucs lointains. Comme une fois, dans une vidéo, j'ai vu que quelqu'un est sorti de l'école... Je crois que c'est quelque part par là-bas, mais c'est tout loin, tout je sais pas quoi, là. Tu vois les vêtements de Ayano, comme ça, tu sais, qui traînent là-bas, je sais pas pourquoi, bon, bref. Alors, du coup, je vais lire un petit peu les commentaires.
On a Lyon qui est là, salut à toi, et non je ne suis pas nouvelle, d'accord, c'est bien ce qui me semblait, bon je pose la question, hein, parce que ouais, je retiens pas forcément tout le monde, mais tu vois, bon, je m'étais dit hein, que non. Alors c'est KGFTBZ, oui bon après j'arrive pas forcément à le prononcer, et le titre c'était fait exprès, c'était provocateur, hein, ne vous inquiétez pas hein, bien évidemment. Et un jour, je t'apprendrai comment créer des cutscenes. C'est abusant. Bah, dis donc, hein, tu donnes beaucoup d'énergie. Pour moi, c'est sympa. Alors, le no clip, c'est pratique pour tricher. D'accord. Le showgi, c'est les coordonnées pour les cutscenes. Attends, parce que. On va reprendre, hein, que j'essaye de comprendre. Donc là, j'ai des coordonnées. Mais c'était pour Ayano de base, d'après ce que j'ai compris. Attends, on était où là? On était dans scène? Non, je crois pas. Non, on était pas. On était dans. Et on était dans screen, je crois. Donc, attends, voir. Donc, ça, c'était pour faire disparaître Ayano, qu'elle devient un fantôme. Donc, Shogi. Donc, c'est justement. Pour ça, mais les coordonnées peut-être pour les cutscenes, pour savoir où elles se déroulent. Le Shogi, c'est les coordonnées pour les cutscenes, d'accord, ouais, mais... Mais pour Ayano aussi, hein, c'est ce que j'ai pu remarquer. Alors, active le no clip et déplace-toi de haut en bas, tu vas voir. No clip. Je vais l'activer alors. Et je dois me déplacer de haut en bas. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par de haut en bas? Que je me déplace, Ayano? Oh! Attends, c'est pas vraiment de haut en bas, là. C'est, elle se déplace oh, avec les coordonnées, comme ça, je vais pouvoir retrouver. What the fuck? Mais elle est en train de monter là! Attends, elle est en train de monter! Normalement, elle peut pas monter! Attends, c'est quoi ce délire? Normalement, c'est tout droit! Enfin, tu sais, c'est plat! Là, t'as les montagnes. Pas les collines. Mais c'est faux! Ah, mais c'est mieux que Fly with Camera, enfin, pour certains trucs. Ah ouais. Mais Gabi, je vais te rejoindre. Ah non. Mais non, on a encore cette merde. Mais Gabi. Tu sais que je t'adore, hein. Bah ouais, mais je peux pas la rejoindre. Bon, écoute, ok, c'est magnifique. Par contre, il faudrait qu'on m'explique pourquoi... Bon, y a toujours cette barrière là. Mais pourquoi ça monte? On dirait qu'elle est en train de monter un escalier. What the fuck? Attends, elle est en train de redescendre. Ouais, je comprends plus rien. Mais je crois que j'ai compris en fait. En fait, je monte quand je mets la caméra à l'envers. Regarde, quand je mets la caméra à l'envers, je monte. Et quand j'avance, je descends. Bon, jusqu'à une certaine limite, mais... Ok. Attends, j'essaye de découvrir un peu. C'est intéressant. Par contre, on peut pas descendre en dessous. On peut pas descendre en dessous, hein. C'est pas possible. What the fuck? Wow, c'est chelou. C'est chelou comme truc, hein. Je vais peut-être voir la salle des démons.
On va essayer de rester aux coordonnées 0. On va tourner autour du 0. Enfin, pour le X et tout ça, Z. Attends, je vais essayer de monter un peu. Pendant ce temps, je vais lire vos commentaires. Oui, là je monte. Après, je me redirigerai vers le 0. Hein. Alors, active le no clip et déplace-toi de ça. J'avais vu. Oui, active le no clip. Bon, j'y vais. Désolé, il n'y a pas de problème. En dirigeant la caméra, tu peux te déplacer de haut en bas. Ah, bah, c'est peut-être ça alors, du coup. Re-souris, je disais au revoir à ma mère. Ah bon, pourquoi le. Comment ça, au revoir? Alors, on a Matway Gamer. Alors, elle parle en russe, mais désolé, je ne comprends pas. Voilà. English, baby. Bon, peut-être. Mais, attends voir. Là, je me suis un peu décalé. Oh, regardez, on a notre ligne. La fameuse. Et on voit pas Ayano là-dedans. On voit pas la petite Ayano dans les lignes. T'imagines, tu vois une Ayano en bas comme ça qui est en train de faire le con. Donc au moins, si on voit la ligne, c'est qu'on est... on est sur la bonne voie. Après, il faudra que je parte à la découverte des différents emplacements. Attends, tu sais ce que je vais faire? Je vais essayer de me noter sur un post-it les coordonnées. Donc ça, c'est l'encéphalogramme, je crois. Je vais appeler ça ligne de cœur, ce sera plus simple. Non, parce que sinon, tu vas confondre avec la chiromancie ou je sais pas comment, là. Attendez, je vais juste prendre un petit stylo, si j'en trouve un. Bien sûr, j'en ai pas. Bien évidemment. Si j'en ai un, attends, sur mon porte-clés. J'en ai pas un meilleur là. Il est un peu petit et un peu chiant. Mais parce que j'ai quand même envie de retenir les coordonnées si jamais je trouve quelque chose d'intéressant. Parce que tant qu'on les a. Donc attends voir. Moi je vais appeler ça ligne de cœur. Hein. Voilà, ligne 2. Je mets un cœur, donc X 149, voilà, on n'a pas besoin de mettre les virgules, on s'en fout. Y 914. Et Z 13. Bah voilà. Maintenant on continue. À monter, attends, faut qu'on soit comme ça. J'ai envie de découvrir la salle des démons. Parce que il y a une petite boule à côté que j'avais vu avec mes fameux glitchs. Ouais, je suis vraiment en train de m'éloigner du zéro. Est-ce que je la vois ou pas, peut-être? Je vais essayer de me rapprocher du zéro, hein. Je suis en train. Du moins pour le X et le Z. C'est bon, c'est en train. Attends. Voilà, et le X, c'est par où? Ouais, on y est à peu près. De toute façon, ça va bouger encore un peu. Et après, je testerai le reste, hein, bien évidemment. De toute façon, je peux toujours faire une petite téléportation. Attends, je peux avoir le debug menu. J'ai pas le debug menu. Comment, qu'est-ce que c'est que ce délire? J'ai pas le debug menu. Il faut qu'on se rapproche du zéro de nouveau. Je vais essayer de tourner, hein.
Tant pis. J'espère quand même pas que je l'ai dépassé. On va tourner comme ça. Alors c'est peut-être la partie là un peu plus chiante, hein, mais... Je sais pas pourquoi je me suis lancé dans cette aventure. Mais... En fait, c'est pas si loin que ça. Alors, quand t'as dépassé la ligne de cœur... J'espère que je l'ai pas... Je l'ai pas dépassé quand même. Mais c'est nul que j'ai pas le debug menu. Attends, ça fait quoi si je fais ça? Alors, on était où déjà? Dans... Edit scène, je crois. Non. Attends, j'étais où? Hop là, j'ai appuyé sur une mauvaise touche, pardon. Et pardon, je suis vraiment... Ah, voilà, c'était là. Et c'était dans Screen. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que ça fait maintenant si je le désactive? Est-ce que Ayano va tomber? Elle est en train de tomber. Magnifique. Donc du coup, voilà, pendant qu'elle est en train de tomber, bon, d'une manière un petit peu bizarre, je vais lire vos commentaires. Donc du coup, le moment était arrêté où je crois là. Par contre, bye, je vais y aller, je vais jouer avec ma soeur, d'accord. Si tu as besoin de plus de cours, je suis présente le reste du temps. Il n'y a pas de problème, je vais essayer de découvrir par moi-même. Oh, un revenant. On a Nathan Kuhn. Comment ça va? Ça faisait très longtemps, hein, il me semble. Alors, du coup, voilà, c'est Brian qui dit coucou. On a Black Young, salut à toi. Et je date MDR, oui, c'est justement ce que je disais. Monix, bonjour, bonsoir. Tu peux dire les deux, hein, parce que encore un petit peu tard. Et voilà, des bonjours entre vous. Donc, je suis en train de découvrir hein, le pose mode de KGFTBZ. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors Ayano serait en train de tomber. Alors c'est en train de mettre un temps monstrueux. Malheureusement, je n'ai plus accès au debug menu. Je sais pas comment ça se fait. Donc du coup ça... Oh punaise, ça va mettre du temps à fond. Et si j'avance le temps comme ça... Ouais, c'est vrai que du coup elle tombe plus. Ah ouais, non, mais regarde, là, tu as 244 secondes avant qu'elle tombe, parce que c'est presque en secondes. Hein. Oh. Je me demande si c'était pas mieux. Oh, punaise, mais qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Bon, ben, voilà. Alors, t'es un peu haut, là. Ouais, bah ouais, mais en fait, je vais essayer de lire vos commentaires en même temps. Eh bah oui, bah je voulais essayer de voir la salle des démons, mais en fait je crois que je l'ai perdu de vue. Je vais peut-être même dépasser déjà. Ah oh bah non, elle est juste là. Ah oh bah oui, en fait je l'ai bien dépassé. Donc attendez, je vais le faire si j'y arrive. Je crois que c'est ça. Oh yes, c'est bon. Et là, je peux voir ce qu'il y a au-dessus. J'ai toujours voulu voir ce qu'il y avait au-dessus et en dessous. J'ai jamais su ce que c'était que cette boule. Pourquoi il y a une boule noire à côté de la grosse... Bon, à l'intérieur. Eh, mais c'est même pas la salle des démons! Eh, mais les gens! J'ai toujours cru que c'était la salle des démons. What the fuck? J'ai toujours cru que la boule, c'était la salle des démons, tu sais, parce que... Parce que quand je tombais...
sais, quand je faisais mon fameux bug, tu sais, je tuais Tokuko ou une connerie comme ça et que j'allais dans la salle des démons et que je faisais une sauvegarde et après je faisais des bugs, je tombais de là. J'ai toujours cru que c'était ça la salle des démons, mais en fait, non. En fait, c'est quoi? Je sais même pas trop ce que c'est, Miyuki ou une connerie comme ça. Ouais, d'accord. Bah, tiens, on a bien fait. Bah, alors, je vais aller dans la salle des démons et. Et je vais essayer de sortir de cette salle des démons pour voir où elle est exactement. Donc, je vais l'appeler Boule Noire. Je vais même mettre un S parce qu'il y en a deux. Boule Noire ES. Alors, X. Moins 8. Je vais quand même garder les coordonnées, hein. Y 2013, on croirait une date. Et Z, donc tu vois, c'est pas si haut que ça. 10, parce que voilà, on est plus proche du 10 que 1. Voilà, donc du coup, maintenant Ayano peut redescendre. Attends, elle est en train de descendre là. Oh, regardez, elle descend bien plus vite comme ça. En se laissant tomber. Voilà, ça sera bien. Bon, attends, je vais lire les commentaires en attendant. Donc du coup, t'es un peu haut là, pas un peu, il est trop haut. Oh, on a Juvia. Mais dis donc, mais c'est les revenants qui reviennent. Comment ça va? D'ailleurs, attends voir comment tu t'appelles en vrai. J'essaie de retenir ton prénom. Emre, je crois, si ça se prononce bien comme ça, si j'ai bonne mémoire. Ça fait plaisir de te revoir, hein. je suis en train de... Si tu es toujours là, d'ailleurs. Je suis en train de découvrir, hein, le postbot de KGFTBZ. Donc voilà, soyez un petit peu indulgents, bien évidemment. C'est vraiment la découverte. Hein, donc voilà, il faut pas se moquer, hein, si tu arrives. It's you. Et en plus, le directeur, il va encore me taser. What the fuck? Regardez, il a encore la fameuse tête à l'envers. la tête à l'envers. Oui, et toi, comment ça se fait que tu as... Oui, attends, je vais... Parce que sinon, il va me saouler avec ses phrases. Bon, voilà. Alors, du coup, c'est pour un Easter Egg, voilà. Il y a trois boules. Bah, j'ai pas vu la troisième. Voilà, des saluts entre vous. Et... Qu'est-ce que je voulais faire? Je ne sais plus, du coup, maintenant. Je voulais dire un truc, mais je ne sais plus. Oui, peut-être découvrir un peu la suite. Du pause mode, mais pour le coup je sais pas comment désactiver ce machin. Et c'est dommage qu'on puisse pas descendre, Ayano puisse pas descendre plus bas que terre. Pourtant elle peut monter, tu vois, mais descendre ça elle peut pas faire. Bon, au moins ça c'est intéressant. Donc voilà, j'ai vu le Fly with Camera, j'ai vu ça aussi, donc c'est très intéressant. Voilà, attends, qu'est-ce que je peux faire exactement? Je pense peut-être qu'en descendant, je peux peut-être réactiver le reste. Attends, je teste tout ça avec vous, hein, de toute façon. Dommage, peut-être que Eliana va peut-être revenir. Pour me montrer peut-être d'autres choses intéressantes. Donc c'est dans Stuff. Voilà, que j'essaye de retenir. Je vais garder les coordonnées, hein, parce que ça peut toujours être intéressant. Donc voilà, Ayano est de nouveau par terre. Alors ce que j'aimerais bien, c'est à la fin de ce live, savoir comment on peut déplacer les objets, les animaux, tout ça. Enfin, je dis les animaux, mais il n'y en a pas tellement que ça. Je crois qu'il n'y a qu'un chat et une tortue, hein. Si on compte pas encore le chat de Osana. Alors, du coup. Je peux réactiver la liste des modes. Et le debug menu. Parfait. Je ne pouvais pas avant. Donc au moins comme ça, je le sais. Ouais, c'est des petites choses bonnes à savoir. Donc je vais continuer de regarder. Donc les scènes, on avait vu... On s'en fiche. Et comme ça, peut-être que ça vous fera pas de mal
Oh, regardez, attendez, je peux peut-être changer la coiffure. Non, mais ça, on s'en fiche un petit peu, mais... Bon, en fait... En fait, c'est les coupes comme t'as au début. Ben, regarde, si je mets ça, ça va être la tête de Minecraft, hein. En fait, je ne vois pas du tout l'intérêt... de ce truc... Oh, bah non, Yano sans la mèche. Bon, peu importe. On va mettre... On va laisser celle de base. Hein. Mais je vois pas l'intérêt de mettre ça, puisque tu le peux faire sur ton clavier avec H. Bon, tu peux peut-être y aller plus vite, en fait. Si, je vois l'intérêt, c'est pour... parce que pour la tête de Minecraft... bon. Voilà, quoi. C'est long, mais... bon, à la limite, d'accord, oui, il y a un intérêt, mais... Donc, pardon, hein, je remets les mêmes trucs, mais c'est vraiment pour vérifier. Donc, screen, tout ça, on a vu. Ayano, invisible, ça, on l'a vu aussi. Ensuite, ça, par contre, je ne sais pas du tout pourquoi ça fait des trucs comme ça. Non, ça marche pas du tout, hein. À moins que... Oula, j'ai pas fait exprès. Moi qu'il y a un truc qui m'échappe, mais tu peux pas changer la couleur des yeux de Ayano ou des conneries comme ça. Ça, je vais regarder. Mince, je ferme trop tôt. Donc, les cheveux. Et les yeux. J'ai beau appuyer dessus, je suis en train de regarder, ça marche pas. Donc je sais pas, il y a peut-être un truc à faire. Oh, mais pourquoi tu es obligé de fermer et pas faire retour. Donc là, le stuff, je crois qu'on a tout vu, hein. Attends, pardon, non. Si, dans stuff, on a tout vu. Screen, les scènes, tout ça. Donc back, edit scène. Tel Kizana Kokona dit. Donc attends, voir, c'est des. J'ai envie de voir ça. Bah, elle crée un. Ouais. Je suis vraiment en train de découvrir, hein. Donc je sais pas, c'était quoi cette merde là? Pardon, mais. Kizana Task. Je regarde. Pardon. Parce qu'on m'a dit qu'on pouvait créer. Bon, apparemment, il n'y en a pas tellement que ça. Beaucoup avec Kizana. D'accord, je sais pas. Il est amoureux de Kizana ou quoi pour qu'il y ait tellement de trucs avec elle. Play pose mode. What the fuck? Pourquoi? Pourquoi c'est les cheveux qui ont changé? Pardon, mais moi, j'y comprends plus rien. Hein. Moi, je vois des cutscenes et au final, ça lui change les cheveux. Non, mais... Pardon, peut-être vous foutez de ma gueule, mais ça paraît peut-être simple pour vous, mais moi, je suis vraiment en train de découvrir. Mais moi, je vois cutscenes. J'ai vu avant Kizana, on pouvait faire un truc, là. Celui-là, j'ai vu. Ouais, Kizana, Tel, Tusk, blablabla. Voilà. Sun start down, voilà. Elle a bougé un peu le bras ou je sais pas quoi, et puis au final c'est fini. Oh, attends. Elle avait rebougé. Allez, task complete, voilà, magnifique. On dirait qu'elle est en train de bugger. Bon, à la limite, on va laisser cette coupe de cheveux, ça va être pas mal. Alors, je vais lire vos commentaires, vous inquiétez pas. Mais, je peux changer le temps. Apparemment non. Time. Ouais, si je mets faux, ça fait quoi? Atmosphère. L'atmosphère, je peux pas le changer, hein. Le temps, je peux peut-être le bloquer.
On va regarder, hein. Sky and camera effect. Ok, il y a des trucs, je peux pas cliquer dessus. Donc on peut sélectionner quelque chose. Je sais pas, je vais regarder comment on peut sélectionner un objet. Je sais pas, peut-être qu'il faut il faut être si j'ai envie de prendre le buisson là ou le sakura en étant devant. Est-ce que par hasard ça peut marcher? Je sais pas, hein. On m'a dit que c'était possible. Eliana malheureusement ne sait pas. Donc peut-être que voilà, je vais lire vos commentaires, je vais essayer un truc, ça vous laisse peut-être le temps de m'expliquer peut-être comment on peut faire pour Attends, shape, c'est quoi? Peut-être pour déplacer un objet. Apparemment, c'est possible, hein, donc. Bon, ça, je crois que c'est par rapport à l'objet qu'on avait. Qu'on était censé sélectionner, mais avec ce que j'ai vu. Regarde, ça, c'est Edict. C'est les personnages, mais ça, je m'en fous un peu des personnages. Edit transform. Ah, mais c'est nul que tu que voilà, quand tu te trompes, t'es obligé de tout fermer. Sex chile bone, sex pound bone. Je sais pas du tout ce que ça veut dire en plus. Neck spin. Caractère. Attends. Witness teacher. Caractère. Attacheur. Classe caméra. Oh, attends, je suis en train de voir un truc là. Motion book pick. Alpha look up. Attends, je comprends peut-être pas forcément tout. Bullies dust. Bullies photo. Je vais essayer de découvrir par moi-même. Kashiko. D'accord, on a des noms de personnages. Pourquoi on a que rival map Kashiko. Hein, mais pourquoi on a Kashiko? Et pourquoi on a personne d'autre? K-Star, oui. Oruda. Waouh, c'est un peu... C'est un peu compliqué tout ça, hein. Ça, tu peux le faire dans le pose mode normal, hein. Attends, comment j'ai réussi à changer le truc? Sans faire exprès, je crois que j'avais appuyé sur un truc comme ça. J'avais appuyé là-dessus. Et ça avait changé ici. Ah, punaise. Sinon, il faut... Bon, attendez, je vais lire vos commentaires, ça sera peut-être plus intéressant. Donc, du coup... Attends, qui c'est qu'on a? Alors, salut les gens, comment vous allez, petit Yandere? Bah, ça va bien, et toi? Alors, vous faites quoi sur Yandere? Alors, eh ben, je teste le postbot de KFGTBZ. Voilà. Alors, on a Gamer Girl. I love Yandere Simulator. Ok, you are English. Alors, teste le postbot. Voilà, c'est ça, tu as répondu. Ah oui, Yandere Simulator, c'est la vie. Alors, marcher sur quelque chose. Du coup, j'ai crié de douleur. Ah, t'as marché sur du verre, c'est tout. Oula, c'est vrai que ça fait... voilà, surtout, c'est des petits morceaux que tu peux pas retirer. C'est pas comme une écharde. Fafa qui est là. Bonjour tout le monde. Salut à toi. Ok, donc je m'attendais peut-être à ce que vous m'aidiez éventuellement. Pour savoir comment on peut déplacer les objets. Sinon, on va faire la solution la plus simple. Attendez, je vais mettre un peu de côté que vous ayez une vue magnifique. Sur Ayano, je sais pas quoi. Je vais taper sur internet modifier objet pose mode. Attends, je sais même pas comment l'écrit.
YS, voilà. Ça se trouve, j'ai rien. Attends, pause mode. Je vais peut-être pause mode KG FTBZ. KG GB. Non, KG FTBZ, je crois que c'est ça. Comment l'installer, voilà, mais c'est un objet. Je sais pas si ça marche ou pas. Ça trouve quelque chose. Attends, fandom, est-ce qu'on trouve quelque chose? Pause, reposition, customiser, changement d'animation. Apparemment, on pourrait déplacer des objets. Cette option... Ouais, mais c'est le mode pause normal. Non, je veux le... Non, le pause mode KFTGBZ. Ouais, pardon, hein, là je suis en train de regarder. Comment activer les modes de l'Unreal Simulator? Mais apparemment, c'était possible de déplacer des objets, des conneries comme ça. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse. En plus, il me l'écrit mal, ce truc-là. Bodycon, cette commode. On va traduire la page. Je vais regarder vite fait, hein, si ça met trop de temps à lire des commandes. Désactivation. Félicitations, commande. Blablabla. Toutes les commandes pause mode. Armes et autres. Compatibilité commande et paramètres. Je regarde vite fait, hein, pardon. Hein. Si jamais vous avez une idée. Vous pouvez me le dire, c'est un peu ça le dommage de... Ah, attends, j'ai une liste. C'est un petit peu dommage, voilà, le direct, hein, que... Fais les débugger, etc. Verrouille une porte à position spécifique. Oh, attends, j'ai une liste de tout ce qui peut être fait. Liste des commandes. Ben, vrai ou faux? Paramètres, la description. Attends, mais je sais pas qu'est-ce qui est quoi là en fait. J'ai pas envie de passer trop de temps. Ah, ouais, c'est dommage. Sinon, je testerai ça. Attends, là il y a une vidéo qui va tourner. J'ai une pub. Attends, voir comment je peux faire pour enlever le son de ce côté-là, comme ça vous entendez pas. J'ai pas envie d'avoir des problèmes de droit d'auteur, en fait. Je regarde un peu la vidéo. En plus, c'est en anglais, bien évidemment. Alors, attends, qu'est-ce qu'il est en train de faire, là? Il est en train de l'installer, c'est ça? Mais je m'en fous, moi, je veux le voir l'utiliser. Attends, il y a une Rayburu toute petite, là. Il a la tête d'Osana. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, il est dans les paramètres? Attends, il est en train de trafiquer le jeu, là. Le mec, il est en train... Voilà, il a créé une Osana toute bizarre. Je suis en train de regarder vite fait, hein. Ouais, mais c'est le level du futur, moi, le jour où j'arriverai à faire ça. Tu sais, il est sorti de... Enfin, pour ce que je vois, je regarde vite fait, hein. Il est dans les dossiers et tout, là, en train de cheat des codes et tout. Il a créé des Osana un peu chelou. Ah ouais, mais non, mais ouf, oh, c'est le level du futur là. Ouais, je suis vraiment désolé là que je suis obligé de regarder comme ça. L'installer. J'aime bien. Je suis en train de taper ça, je vois mon propre live. Bah non, je vois rien de spécial. Oh bah sinon, on a qu'à regarder chez Sora. Voilà, au moins c'est français, je connais. Donc attends, parce que... C'est peut-être l'ancien. Hein. Ouais, j'ai vu un truc. Ouais, c'est ça. C'est bien ce que je pensais. J'avais vu chez lui. Attends, il est avec Fly with Camera, là. Attends, je vais mettre les sous-titres. Je vais pas mettre le son parce que sinon, j'ai peur d'avoir des problèmes de droit d'auteur
surtout que j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec lui, bien évidemment. J'espère au moins que les sous-titres c'est bien, que je paye place bien, un petit peu modifié, avec beaucoup modifié, le sac poubelle, vous voyez, je veux en venir. Je suis pas sûr, avec des... Ah, il est en train de modifier le sac poubelle. Attends, comment il a fait? Attends, il est allé dans un truc que j'ai pas. Edit caractère, avancer, edit, select spécial. Ouais, c'était un ancien truc, hein. Alors, il a garbage badge. Enfin, je vois pas tout parce qu'il y a la, tête. Garbage badge. Attends, on va laisser ça de côté. Je vais lire vos... On va reprendre le jeu et je vais lire vos commentaires. Voilà. Bon, pardon, hein. Si je vous ai fait attendre, je vais lire. Ouais. Alors, KFGTBZ, le mode à vieille version... mais une vieille version de Yandere Simulator. Ouais, c'est ça. C'est trop nul. Pardon, hein. C'est ça, le premier mode... With mode marché sur la version du 1er juin 2016. C'est vrai que ça... c'est vrai que... Que ça date. Non, mais je rigole parce que je vois le commentaire de Petit Yandere. Non, je. Mais qu'est-ce que. Mais même sur Yandere Simulator, vous êtes obligé de me sortir son nom. Mais c'est un troll, c'est pas possible. Ouais, je vais plus lire son nom, hein, parce que la pauvre. Voilà, donc du coup, je. non, mais c'est pas possible. Même sur Yandere Simulator, vous me sortez encore. Je suis sûr dans 20 ans elle sera encore là, mais c'est pas possible, comment ça se fait que vous... non mais je vais mourir de rire là, c'est pas... Enfin d'un côté je suis gêné, mais d'un autre côté, parce qu'imagine elle regarde la vidéo, elle se dit bah écoute, voilà, si elle regarde la vidéo, lis les commentaires et tu vois que c'est... Punaise, mais c'est les abonnés, c'est la faute des abonnés, oui c'est forcément leur faute. Oh non. Oh punaise, et là on a encore parlé, alors du coup elle chante la chanson, oh là là. Bon allez, on va reprendre sérieusement. Dorian, salut à toi. J'ai vu Megami d'ailleurs avec le pose mode. Alors Dioling a fait une vidéo tuto avec le pose mode pour l'installation ou pour comment l'utiliser, sinon je vais regarder un petit peu chez lui. Mais si ça date, ça risque d'être un petit peu compliqué. Bon pardon, je vais boire un petit coup. Donc, par contre, pour la vieille vidéo que j'ai vue, là, pour comment l'utiliser, donc c'était bien dans Avanced Edit, et après, il avait un truc spécial. Attends, je vais essayer de re-regarder ce que c'était exactement. Si je peux remettre en arrière. Voilà, je mets ça. Select spécial et la garbage bag. Ah, mais c'est l'objet en question. Select spécial. Parce que moi, j'ai select quelque chose. Mais je vois pas tout. Et puis, je sais pas qu'est-ce qui est quoi exactement. Par exemple, je sais pas ce que c'est un curtain. Et 5 en plus. Parce qu'à mon avis, ça doit peut-être être tout simplement là-dedans, mais... parce que là, j'ai Consoler Mesh. Mais... Et après... Duplicate. Place. Attends, si on peut le placer ici, mais au final, ça marche pas. Bon. Attends, je vais essayer de regarder si je trouve un autre truc vite fait. Attends, je vois un truc là, justement. Oh putain, encore une pub. Je regarde vite fait, hein. En attendant, je vais peut-être lire les commentaires, donc... Mais c'est pas possible, petit Yandere. Arrête de voir avec ce personnage. Mais en fait, plus je vais le dire, plus vous allez m'embêter. Attends, là, il est en train de montrer comment on l'installe. Donc, tout ça, j'ai déjà fait. Et une fois qu'il est dedans... Alors, de toute façon, voilà, c'est encore le vieux. Select quelque chose de spécial. Attends, je regarde. Je regarde vite fait, hein, pardon. Mais c'est important, hein.
Donc voilà, on voit qu'on peut, peut se déplacer dans le ciel sans on l'avait vu. Ouais, mais c'est encore une toute vieille version. T'avais encore le Winbow 6 et tout. Il y avait rien encore dans la cour de Musume venait à peine d'être implanté. Voilà, on a les coordonnées. En plus, c'est même pas à la même place. Donc tout ça, je l'ai vu. Donc ça, il n'y a pas de problème. Voilà, il est en train de nous montrer comment ça marche. Ok, donc là, il a montré aussi comment c'était Ayano invisible. Donc lui, il peut arriver à changer l'atmosphère et tout. Mais à mon avis, peut-être que c'est plus utilisable maintenant. Ouh là là, attends, la densité de couleurs. Là, je suis en train de regarder, hein. Bon, malheureusement, il n'a pas montré comment on change des objets. Bon, peu importe. Attends, je vais quand même regarder les commentaires. Ça risque d'être un peu long et un peu nul. Alors, Dorian, curtain égale rideau, je crois. Mais malheureusement, alors c'est possible. Mais malheureusement, je ne pouvais rien déplacer, rien dupliquer, rien. Quelque chose comme ça. Donc, c'est un petit peu dommage. Et d'ailleurs, les rideaux, mais c'est lesquels? Est-ce que ça serait un... Parce que tu as ceux du club... Du Megami Club, j'allais dire. Du Student Council Club, là, leur salle. Office. Mais je veux dire... pardon. Je suis fatigué, moi. Donc, tu as ces rideaux-là. Ah, mais tu as les rideaux aussi du club des dramas, là, dans le gymnase. Mais après, voilà, si tu veux déplacer une table ou une connerie comme ça, c'est un petit peu chiant. Mais à mon avis, c'est peut-être plus utilisable. C'est pas impossible. Parce que regarde, je vais dans Avanced machin truc. Il faut sélectionner quelque chose. Alors attends. Mais tu fais vite le tour. Moi, je vois pas de. Qu'est-ce que c'est la turtle mesh? Et là, si je vais le placer ici, je peux pas, hein? Je fais duplicate position. Attends, j'ai les coordonnées. J'ai les coordonnées comme ça, je sais ce que c'est. C'est bien ça que j'ai les coordonnées. Alors, attends voir, on est à où? Alors, je vais écrire, hein. Moins 8. Donc X. À peu près, hein. Ça va mettre moins 8, 4. Comme ça, c'est peut-être un peu plus précis. Y. Moins 0,9. Oula, moins 0,9, qu'est-ce que c'est que ce... C'est pas tout à fait dans un étage, ça. Y. Comme ça, je sais ce que c'est. C'est pratique, ça, l'objet. Et Z, 23, 9. Donc c'est parti pour la chasse à cet objet. Je suis clairement obligé de faire ça. Parce que là, j'ai essayé de faire place, duplicate, tout ce que tu veux. Ça n'a pas marché. J'ai même essayé de le déplacer. Ça n'a pas marché. Donc du coup... alors attends, voir. X... Donc ça doit être... On va faire déjà le Y, hein. 0,9. Bon, attends, bah, ouais. Parce que là, 0,9, après tu. Ouais, tu es tout de suite à 2. Ouais, bon, après, c'est. Je pense c'est par rapport au pied de Ayano, peut-être. Le 0. Bon, allez, peu importe. On va déjà se concentrer sur le moins 8. Alors c'est quelque chose, moins 8, 4. On y est. Et le Z, 23. On est tout proche. Attends, c'est quelque part là.
Moins 8. Moins 8, 4. Z. 23, 9. Bah, c'est au sol. Enfin, c'est... Attends, j'ai bien noté. Moins 8, 4. Donc, voilà, c'est à peu près là. Et 23... C'est censé être là, mais un peu plus haut. Moi, j'aurais dit, c'est peut-être le plateau, mais... What the fuck? Attends, j'ai bien noté. Qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est que ce délire? Attends, on va regarder. Là, mais je suis en train de découvrir des trucs, mais... Il y a x.84. Si c'est bien les coordonnées, voilà, on y est un peu près, hein, à quelque chose près. y-0,9. Mais après, si je vais à l'étage d'au dessus, c'est tout de suite 2 ou 3. Donc c'est pas possible. Ah, c'est moins. Donc c'est en dessous. Mais en dessous, il n'y a rien. Enfin, je sais pas. Faudrait qu'on m'explique là. Hein. Je peux pas le déplacer ce truc là. Hein. Reset. Ah, clear. Attends, il y a un truc qui se déplace, mais. Je fais clear, ça fait 0. Je fais reset, ça. Oh là 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 là, moi j'y comprends rien du tout. Vous êtes en train de vous marrer que ça se fout de ma gueule parce que je comprends que dalle. Oh punaise, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi compliqué. Vas-y voir la chasse au trésor. Bon, attends, on va regarder un autre objet là. Peut-être quelque chose qui n'est pas du négatif. Parce que, je sais pas, un truc turtle là, ça me faisait penser à la tortue là. Bon, allez, on va chercher autre chose. Hein. C'est... What the fuck? J'en ai combien là maintenant? Black Anti-Curtain 5. On va prendre ça. Je sais pas ce que c'est, mais... Cardboard Box. Donc la carte de l'étranger boîte. Je sais pas si c'est ça exactement. Position. Alors celui-là il est à 0-0 tout ce que tu veux. Et bien sûr, tu es obligé de tout refaire. Je sais pas, peut-être en dupliquant, en faisant des conneries comme ça. Voilà, regarde, j'ai des coordonnées. J'ai modifié tout ce que tu veux, j'ai des coordonnées différentes. Mais pourtant, il y a quand même rien. Parce que j'ai beau le placer, mais je sais pas où. Donc, apparemment, il y a quelque chose qui se passe quand même. Parce que, regarde, tu as des coordonnées différentes. Donc, on va revoir nos coordonnées. Donc, X, 158. Voilà, ça va être la chasse au trésor. 1, 13. Donc, voilà, c'est déjà pas du négatif. Et Z, 20. 0,78, bon, peu importe. De toute façon, on n'est pas à quelque chose près. Donc, allez, c'est parti pour la chasse au trésor, encore une fois. Donc, du coup, c'est à cet étage-là, parce que, regarde, si je monte à l'étage au-dessus, on est tout de suite à Y4. Alors que Y, on est à 1,13, donc logiquement, ça devrait être à la hauteur d'un banc ou un peu plus... ou de la table ou une connerie comme ça. Bon, alors du coup, X, 158, donc ok, X c'est par là, comme ça je le sais, 158, ben c'est peut-être en dehors de l'école là, carrément. Carrément, il me l'a foutu en dehors de l'école. Bon, j'ai peut-être pas envie d'utiliser le...
Attends, non, on va faire plus simple, ouais, c'est ça, parce que je voulais encore prendre le... Je vais lire vos commentaires après, hein, vous inquiétez pas. Je crois que c'est là. Non, attends, c'est pas ici, pardon. C'est stuff. Screen, que j'essaye de me rappeler. Ça. Voilà, juste histoire que je sorte de l'école. Et pour pas peut-être perdre ce qu'on a fait. Donc, stuff. Screen. Et on va l'enlever. Et je vais vérifier si j'ai toujours les coordonnées de mon objet. Que je suis en train de chercher, qui apparemment s'est déplacé je ne sais où. En fait, si ça se trouve, la réponse elle est toute simple et c'est juste moi qui sais pas l'utiliser. Donc position, ça n'a pas bougé. 158, Y 113, Z 20 78. Bon, il a pas bougé, c'est déjà une bonne chose. Mais après, est-ce qu'on va réussir à le trouver? Ça, c'est encore une autre question. Donc c'est bien en dehors de l'école. Attends, c'est X... ouais, c'est X 158. Je vais lire vos commentaires. Hein, donc, est-ce que déjà je vois quelque chose? Bon, logiquement, tu devrais voir là. Si c'est pas trop petit. Alors attends, je l'ai déjà dépassé. Enfin, du moins... 158... Et Z20. Bah, logiquement, ça devrait être là. Quelque part. Parce qu'on y est quasiment. Bon, le Y, c'est à 1,13. Mais ça devrait être à la hauteur de mes genoux. Donc 158, ouais, on y est. Z20 et quelques. Oh, punaise, mais il y a des trucs que je comprends pas, moi, hein. Ou alors, c'est peut-être pas les mêmes coordonnées. Peut-être que, en fait, je suis en train de me dire, peut-être que les coordonnées, ils ont peut-être été déplacées par rapport à l'objet. Tu sais, par exemple, si, je sais pas, je dis une connerie, cette chaise-là, tu vois, elle est à 23 et moins 9 quelque chose. Oui, bon, il n'y a personne dans cette classe. Vas-y, fais pas chier. Bah, du coup, tu vois, elle est décalée par rapport au centre. Et il est peut-être décalé par rapport à ces coordonnées-là. Et d'ailleurs, carte étranger, je sais pas quoi, là. C'est quoi? Parce que d'un côté, t'as la carte là, mais t'as la boîte en carton. Moi je comprends rien à ces trucs qui a écrit encore en plus. Attendez, je vais lire vos commentaires, on va bien voir. Il y a eu beaucoup de commentaires encore. Alors, je vais essayer de les vivre, les lire assez vite. Alors, oh punaise, petit Yandere toujours dans la place avec c'est ton amoureuse, hein, j'en suis sûr. Alors, Nali, coucou, salut, comment t'as fait pour l'installer? Alors moi j'ai envie de te dire ne l'installe pas parce qu'il est nul à chier. Non, en fait, attends voir, tu regardes sur ma vidéo. Spécial 500 abonnés, c'est la vidéo où il y a 500 et il y a Eliana qui explique tout. Donc voilà, je peux pas faire mieux hein, parce que même moi je me rappelle pas. Mais voilà, elle explique tout donc. Pas alors. Comment ça est fatigué moi. Alors pourquoi il y a personne dans l'école? Parce que j'ai retiré les élèves pour pas être embêté. Alors, je sais pas, ils sont peut-être en vacances, mais Brian, je pense que tu as vu, je pense que c'est la blague. Alors, on a Osema, Eni, salut à toi, n'hésitez pas à dire si vous êtes nouveau ou pas. Luna, salut, pareil. Alors, où je m'étais arrêté là. Pour moi, Luna, c'est l'un des plus beaux prénoms français que je connaisse. Pour moi, c'est pas forcément le plus joli, mais elle est pas moche, mais c'est vrai que ça va en prénom. Et si tu le dis, donc moi aussi je joue en ce moment même à Yandere Simulator, d'accord. Black Sword, salut à toi. Oh, Eliana qui est revenue.
Comment ça, il est pas nul à chier, le pose. Pardon, mais j'ai essayé de déplacer les objets, c'est un peu différent. Je sais pas à partir de quel moment tu es arrivé. Juste quand tu sais pas l'utiliser, c'est difficile. Ouais. Mais alors, je sais pas à quelle période tu es arrivé. Mais j'étais parti à la chasse au trésor. J'ai même regardé un peu chez Sora. Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'était pas du tout comme ça. Et voilà, quand je sélectionne quelque chose, donc on voit bien que j'ai sélectionné un truc. Déjà, je sais même pas ce que ça veut dire. Cardboard box. Ça, moi, je le traduis comme carte de l'étranger boîte. Voilà. Donc, carte étrangère boîte ou une connerie comme ça. Je sais pas comment on peut le traduire. Ou tu sais, comme un visa. Mais pourquoi il y a boîte, enfin, je sais pas. Bon, bref. Est-ce que ça serait pas les pubs là ou les conneries comme ça? Mais il n'y a pas tous les objets. Hein. En plus, tu vois cheveux de Midori, des conneries comme ça. Bon, bref. Et quand je vais dans Edit, un truc comme ça, donc je cherchais la position. Je suis allé à cette position qui était en dehors de l'école. Et du coup, je l'ai pas trouvé. Bon. Si tu en sais plus, n'hésite pas à me le dire parce que c'est vrai que là je suis en train de chercher. J'aimerais tellement déplacer un objet parce que le reste, tout ça, j'ai vu. Donc voilà, en fait, quand j'ai fait j'ai dupliqué. Mais regarde, il y a des trucs que j'ai dupliqués, mais je sais pas où ils sont. Sinon, à la limite, je duplique tout et si j'arrive à... Attends, les cheveux de Midori, je vais peut-être les... Midori Hairs, je vais les dupliquer, attends. Tac, 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 tac. Normalement, ça pourrait peut-être marcher. Allez, je les place aussi en duplicate, en place, en duplicate. Et place, je sais pas du tout ce que ça fait. Donc on dirait que mon jeu il lag un peu plus. Alors où es-tu Midori? Elle est retournée en cours je pense. Si je l'ai laissé. Midori? Bah non. Oh non, bah encore. Oh mais ça va toi. Je vais pas lui parler. Ouais bah sérieusement moi je sais plus. Hein. je me demande quelle coordonnée il me le met. Je vais voir ça. Mais je sais même pas ce que c'est. Midori Air Mesh. Mesh. Ouais, il manque un peu de vocabulaire en anglais, mais bon, attends, voir si je fais la position. Regarde. Pardon. Il me met une certaine position, moins 3. Donc c'est censé être sous le sol, en fait. Donc attends, on va essayer de voir. On va essayer de voir vite fait avec ça. Est-ce que on voit quelque chose en dessous? Moins 3, c'est pas très loin, hein, bien sûr. On ne voit rien de spécial, de particulière. Donc voilà, j'attends vraiment des réponses de votre part. Parce que essayer de le découvrir comme ça. Là, je crois que j'ai presque tout essayé. Attends, il y avait un truc avec ça. Ou peut-être celui-là du dessous. Qui changeait peut-être la donne. Regarde, Midori. Attends, je peux peut-être... Aide. Ok, donc là c'est peut-être sa tête. Mais il n'y a pas écrit Midori Head. Neck. Spin 3, spin 2, spin 1. Donc tout ça c'est. Je le sais, hein, du pose mode normal. Pelvis. Alors ça je sais pas du tout. Caractère. Donc c'est peut-être le personnage en lui-même. On va essayer de voir. Hein. Ce serait Midori. Duplicate. Oh! Alors là, ça a marché. Pour Midori, ça a marché. Ok. J'ai pu la placer, mais la dupliquer.
Attends, c'est déjà une bonne chose. Donc Midori est à moins 2. Alors c'est pas tout à fait ça par rapport à ce que je suis. Moins 5. Ah non. C'est... Ou alors peut-être que c'est une duplication. Attends, on va voir ça. De toute façon, c'est Y0. Donc c'est déjà une bonne chose. J'ai réussi à la déplacer. Mais bon, c'est pas un objet, c'est un personnage. Midori. Oh, regardez les yeux, ouais, ils sont chelous. Ben, ah mais en fait, je crois que c'est plusieurs Midori. En fait, je crois qu'il y en a plusieurs. Il y en a plein des Midori là-dedans, regardez. Mais oui, mais c'est bien sûr. D'accord, ok. Attends, on va juste vérifier. Je vais lire vos commentaires après. Hein. Donc, c'est pas mal. Attends, c'est pas ça, pardon. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué quand t'as pas l'habitude. Mais ça avance. Enfin, quoique pour les personnages, mais... moi, je veux les objets. Hein. C'est ça, donc... dans avancer... Mais c'est toujours la même. Attends, voir. Non, ce qu'il faut faire. Ouais, Attends, je vais me déplacer juste un petit peu. Par exemple, on va voir si on en a 3 ou 4 ou une connerie comme ça. Mais après, il faudra encore que je sache laquelle c'est. Donc, edit. Ça, select quelque chose. Regarde. Là, tu as tout ça. Schoolwear, Midori. Truc. Edit transform. Place. Donc, c'est pas ça. Il faudrait que j'arrive à retrouver le personnage en entier. Ou alors... Attends. Ouais, je pense que... Parce qu'après, il y a un truc comme ça. Midori Air, Head, Neck, Spin, Caractère Clone. Edit Transform. Alors, je suis vraiment en train de découvrir. Hein. Place. Et on a 3 Midori. Parfait. Bon, on en a une dans... Oh là, regardez l'œil, il est chelou. Bon, écoutez, je vous laisse cette vue magnifique. Hein. Pendant que je vais lire les commentaires... C'est bon, je crois que j'ai compris un petit truc. On va voir avec les objets si ça marche ou pas. De cette manière. Alors, attends, je vois Eliana qui est en train de me mettre des points 1, 2, 3. Attends, je vais lire ça, je vais reprendre depuis le début. Oula, il y a beaucoup de commentaires. Ou alors c'est juste moi qui n'ai pas fait la reset. Ah oui, c'est ça, c'est parce que j'ai pas fait la reset. Donc du coup, c'est pratique hein, de que je reset la page comme ça je sais où je m'en étais arrêté mais là je l'ai pas fait donc alors Black Sword ça dépend ce que tu veux faire alors moi j'ai envie de déplacer des objets je sais pas un buisson un sakura juste pour voir pour après bah, que je sache l'utiliser pour si j'ai des idées de pour faire un truc. Alors, toi, Brian, tu es en université vu que tu as 22 ans. Non, il me semble qu'il est cuisinier, enfin cuisinier, cantinier, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Alors, du coup, Eliana Board, c'est le tableau. D'accord. Ah oui, non, c'est Board. Non, attends, c'est... Ah, c'est Abroad, l'étranger. Donc, punaise, non seulement il manque du vocabulaire, mais en plus je le confonds. Donc, il faut vraiment que je lui remette. Hein. Alors, je crois que tu as une ancienne version du pause mode. Non, parce que j'ai pris la version la plus récente après avril, truc machin. Donc, voilà. Après, je sais pas, hein, peut-être, hein, mais... Alors, sélectionne un des trucs et fais place. Alors, attends, moi, je vais voir ça. Mais déplacer les objets, je suis pas super forte, surtout modding moi, ok. Je travaille à la restauration collective, ok. Alors, Nakiria qui est là, salut à toi.
On a des bonjours entre vous. Alors, Eliana, si tu veux déplacer un objet, tu utilises Fly with Camera. Tu trouves l'objet que tu veux déplacer. Alors, attends, voir. Avec Fly with Camera, ça veut dire... comment ça? Je vais vers... avant de cette édite, tu le repositionnes. Alors, attends, voir. Ça veut dire qu'avec le Fly with Camera, il faudrait que j'aille, par exemple, devant le buisson. Parce que j'avais vu un truc comme ça. Donc, j'essaye de faire correspondre. Parce que là, c'est... Désolé, j'ai pas tout compris. Ils sont dégueulasses, les yeux de Midori, voilà. Alors, va sur Fly with Camera et appuie sur R. Ah, d'accord. Donc, il y a peut-être un truc. Ah, bah, ça serait peut-être beaucoup plus simple comme ça que de chercher un objet. Alors, bon, bah, je dois partir, les gens. Bon live et bonne soirée. Bah, j'espère qu'elle va bien se terminer avec le déplacement d'un objet. Ça serait magnifique. Même si j'ai réussi déjà à dupliquer les Midori et les trucs comme ça, à la fin, je vais voir si je peux faire un carnage. Alors, le truc, c'est qu'avec le pose mode, il fait souvent aller-retour entre les blocs et le jeu. En tout cas, modifier les personnages ou Ariano. Ok. Mais ça serait peut-être plus simple que de chercher les objets dans le truc. Au final, après, je sais pas. Bon, bref. Je vais essayer la méthode là parce qu'il me semble que c'est ce que j'avais vu. Et voilà. Donc, j'ai fait reset la page. Comme ça, je retrouve mes... commentaire. Je m'étais arrêté. Bon, alors ça. Alors Midori était bien joli, mais j'aurais pu m'intéresser à toi. Surtout en plus c'était le clone, donc on s'en fout. Quoi que je vais faire. Donc on va faire ça. On va faire Fly with caméra. Mais oui, mais parce qu'il y a le with après, donc c'est pour ça. Alors on va prendre. Attends, il faut faire quoi? Il faut aller dedans ou il faut aller devant ou... Attends, si je fais R. Alors, j'ai Big Tree. Il y a écrit en dessous. Attends, j'ai pas fait... Ah, attendez. Oh, Megami. Ouhou, viens là, toi. Silhouette Panfic Blocker. Megami. Attends, je vais juste essayer. Fast Ground Collider. Attends. Bon, je sais pas du tout si c'est ça. Bon, attends, on va essayer. Hein. Voilà, R. Et ensuite, ça a sélectionné ou pas, je sais pas. Ensuite. Sinon, j'essaye avec un arbre, hein, tout simplement. Hein. Le gars, il veut commencer direct par plus compliqué. Alors, c'est Avanced Edit et... Ah, bah non, ça a gardé le... Bon, au moins, comme ça, on l'a. Alors, Edit Transform. Place. Ben, il veut pas. À moins que... Attends, parce que là, je l'ai, hein. Regardez, Big Tree. Est-ce que... Tree Corridor... Ah, attends. Je sais pas, hein, parce que j'ai vu qu'avec Midori, c'était ça le problème. Avec les cheveux, notamment. Donc il fallait faire un truc comme ça. Quelque chose qui s'est placé ou pas? Non, il y a toujours rien qui s'est placé, mais c'est pas vrai. Attends, je suis vraiment en train de... chercher le truc, mais... Oh, punaise. Oh, je suis deg. Bon, au moins... What the fuck? Ah non.
C'est moi ou il y a beaucoup trop de pétales par terre? Ouais, ok, il y a... Ok, il y a l'arbre qui... à mon avis... Attends, on va vérifier ça, combien il y en a. Mais là, on le voit, il y a... Il y a un arbre en bas. Attends, l'horloge, tu crois que ça marche? Cube. On va prendre ça, hein. Donc, R. Et je vais mettre Ayano plutôt en hauteur. Attends. Comme ça, je verrai peut-être mieux. Je sais pas. Mais parce que j'aime bien, mais tu le places, mais où? Parce que c'est vrai que j'ai l'habitude du pose mode normal où quand tu le places, c'est à 1 mètre devant toi ou un truc comme ça, tu sais. Donc n'hésitez pas à me dire ça correctement. Pardon, là je suis en train de rouler sur, avec ma chaise là sur mon câble. Mais je vous dis pas, hein, tous les mois je suis obligé de racheter un nouveau câble de manette parce que j'arrive à le défoncer. Bon allez, peu importe. Donc je vais tester encore. J'aimerais bien terminer ce live sur un bon truc comme ça. Donc attends voir, floor. Ah mais attends voir, j'ai le sol. Surtout que je vais même pas l'agrandir. Au moins que... Je sais pas trop comment ça marche ce truc là. Parce qu'avec la manette ou avec le truc ça... Bon, peu importe. Attends, j'ai le sol, j'ai pas l'arbre. Malheureusement. Peut-être que vous avez la solution. Je vais encore essayer de moi-même une dernière fois. Et un... Coider, roof, school. Carrément. Oh, punaise. Carrément à l'école. Oula. C'est par rapport au... Ouais, attends, si c'est par rapport aux coordonnées de base, ça va rien changer. J'ai quand même envie de tester. Attends, c'est où encore? Edit, machin truc. Duplicate. Place. Oh! Oh! What the fuck? Attends, il y a des trucs là. What the fuck? Ah, je peux même pas sortir en plus. Eh. Hey. Ouah, je peux visiter la conseillère. What the fuck? Regardez-moi ça. Help you? Don't misbehave. Mais attends, je suis où là? Oh! Wouah! J'ai pas fait exprès, je vous jure. Mais non, je peux pas... Ah, je peux pas ouvrir. Mais non, on est coincé, Midori. Mais non, mais il y a tout le monde. Mais non. Mais... Tokuko, qu'est-ce que tu fais là, toute seule? Et les élèves, ils ont été dupliqués ou pas? Je crois pas. What the fuck? Ah, Kokona, elle bug! Et Waibulu aussi. Ça va, Waibulu, tranquille? Oh, punaise, quoi, ça fait trop chelou! Ah, ça fait trop bizarre!
Ah pardon, là je retarde la lecture des commentaires, mais... attends, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a des trucs bizarres! Ah, il y a une Midori là-haut! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout cassé! Punaise, non, c'est moche! Mon dieu, oh... Attends, on a encore les portes et tout. Oh non, mais regardez-moi ça, on a le directeur là-bas! Oh, on est sous l'école! Oh. Oh, regardez, on a les membres du club de cooking qui sont coincés, c'est pour ça qu'on a le bug. What the fuck? Eh, je peux avoir deux motos comme ça. Regardez, on a les hélices. Oh non. Et Info-chan, elle est là. Ah ouais, regardez, on a la tête d'Info-chan, là. Enfin, je crois que c'est elle. Oh. Mais what the fuck? Mais j'ai tout cassé. Oh non, mais le pire, c'est le directeur, quand même. Là, il est tout seul, là, et toutes les chaussures. Mais what? Oh yeah. Ah, je suis choqué, j'ai tout cassé. Bon allez, je vous laisse sur cette vue magnifique. J'ai quand même envie de lire les commentaires pour en voir, parce que là... attends, je vois déjà la petite Lélé, c'est n'importe quoi XD. Attends, justement, la petite Lélé, salut à toi, voilà. KFG, TBZ, truc machin, oui, c'était fait exprès, ça va super bien, donc tant mieux. Et c'est n'importe quoi, et Ryan, j'avoue. Mais j'ai pas fait exprès. J'ai testé un truc, moi, et ça m'a donné ça. Attendez, je vais... Mais regardez, on a la réunion, délai, il y a tout le monde qui est bugué, c'est n'importe quoi. Mais voilà, il fallait que je vienne pour vous débugger. La distanciation sociale, alors. Attendez, je vais refaire encore. J'ai envie de tout casser. Ah, j'allais dire, il marche plus. Ouais, il est en train de bugger. School. Bah, edit. Duplicate. Place. Regarde, tu peux replacer. Et on a de l'eau. Et on a une inondation par terre. What the fuck? Mais c'est la fontaine. En fait, c'est l'eau de la fontaine. Je vais même pas sortir. Mais regardez, Riku aussi, il est coincé. Mais non. Mais au secours. Je peux pas sortir, c'est quoi ce délire? En fait, il y a des murs invisibles, c'est ça. Attendez, où il y a des portes? Mais n'importe quoi, regarde-moi ça, regarde le directeur, il est là. Attends, je vais faire ça. J'ai envie de le voir, le notre petit directeur, là. Ah, mais ça me donne des idées de ouf, les gens. Regarde, Midori qui bug. Attends, c'est où encore Je me demande si c'est pas ça que j'essaye de me rappeler encore, hein. Pardon, hein. Et c'est ça. Voilà. Magnifique. Et on va aller donc voir nos charmants collègues. Bon, toi, vu que tu es là. Bon, je sais pas pourquoi tu es là d'ailleurs. Mais ça, à la limite, on s'en fout un peu. On va voir. Donc, on a trois directeurs, logiquement. Est-ce qu'il va pouvoir me taser ou quoi que ce soit? Oh, regardez, on a l'aiguille! On a l'aiguille de la montre. C'est n'importe quoi. On a des objets, mais pas tout. Là, on a les photos du club truc, là. Là, je suis en train de me prendre toutes les portes, je crois. Waouh, t'imagines? Je peux débloquer deux motos, des conneries comme ça. What the fuck? Je peux encore porter les masques. Non, je peux pas. Apparemment, je pourrais débloquer éventuellement la... Ah, mais c'est bien ça, si tu avais d'avoir plusieurs cartons. Pardon, je suis en train de découvrir des trucs là, mais c'est un truc de malade.
Alors, monsieur le directeur, comment ça va? Alors, cette scène est un petit peu bizarre, pardon, mais j'y vois pas grand-chose. Ouais, t'imagines, t'arrives à mettre la tête de Osana là-dedans? Parce que j'ai cru voir un truc, tu pouvais interagir. Not another step. Oh, regarde, en plus, il est à l'envers! Attends. Attends, il a réagi, mais... Et tu peux pas me taser, non? T'as même pas de taser dans la main. Bon, attends, je vais m'arrêter comme ça, je vais lire vos commentaires. Attends, je vais t'arrêter où? C'est n'importe quoi, j'avoue. Franchement, ça devrait pas être ça, les jeux. Tu vas rêver un live. Tu vas... Attends, Ouais, je sais pas ce que tu veux dire par là. N'hésite pas à... Je sais pas s'il y a une faute de frappe ou pas. Tu vas rêver... Parce que là, je lui ai dit, tu vas rêver. Non, je rêve pas. Ou tu vas refaire, peut-être, je sais pas. Alors, meilleur jeu de l'année. Et c'est clair. You asked for it. Wow! A wise decision. What the fuck? Mr. Psycho, the deal is off. Bon, attends, on va refaire. Oh punaise, n'importe quoi! Oh là là, les amis, c'est n'importe quoi! Bon, je vais. Là, je vais essayer de prendre un objet en particulier et essayer de le. De le déplacer correctement. Punaise! Ça me fait rire quand même, il y a 20 gemmes, mais il n'y a pas tellement de visionnage que ça. Bon, je sais pas, peut-être pas la meilleure heure, mais... de toute façon, je pense qu'il y aura encore un live Subnautica après. Après avoir mangé. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que... on pourrait prendre comme... Attends, j'ai toujours mon... Yes, je l'ai encore. Oui. Oui, oui, oui. Attends, qu'est-ce qu'on peut prendre comme objet? On peut dupliquer. On va essayer qu'une chaise ou un truc comme... Avec une poubelle, attends. Un truc qui est assez gros, mais tu sais qui... Oh, je sais quel objet. Je sais. Alors, non, pas à canner. Non, je rigole, c'est pas un objet, hein, mais bon. Carrément la colline de confession, tu sais, le gymnase. Non, attends, je vais peut-être commencer par... Bon, je sais, j'aurais pu utiliser le Flywheel caméra, mais... On va prendre ça, peut-être, pour commencer. Ou oh, attends, hein, près d'un mur. Attends, peu importe, hein, on va bien voir. Je sais même pas comment ça s'appelle, ce truc-là. Ou si on peut une porte aussi. T'imagines, tu mets des portes là où il n'y en a pas. Bon, peu importe, attends, c'est juste pour tester, hein, avant de quitter sur ce live-là. Et puis, je testerai des trucs en vidéo. Mais après, du coup, ça me donne des idées. Donc, attends, c'est dans Flive with Camera. Oui, je dis toujours Flive, mais c'est parce qu'il y a le Fly with. Alors, du coup, ça me fait direct. Bon ben, Floating Horse, ça m'a l'air d'être ça. Et surtout, attends, tu as des numéros différents pour savoir c'est lequel. C'est ça, 3. Ok. Et pas le numéro de l'étage, hein. non, non. Donc, on l'a R. Voilà, donc je fais Q. Par contre, je ne sais pas du tout où je peux le replacer exactement. C'est ça le souci, en fait. Attends, si je fais ça, Midori qui se déplace avec moi, bon, peu importe. C'est juste ça, le problème, c'est que je sais pas où est-ce qu'il peut être replacé. Donc attends, on va faire ça. Donc voilà, je l'ai. Donc, place. Mais après, je sais pas. Bah, en fait, je me demande si. Bon, peut-être que en fait, ça marche pas trop. On va voir ça. J'ai l'impression que place. Ça ne veut pas. C'est moi ou il a l'air plus haut?
C'est moi où il a l'air plus grand et... Je sais plus. Attends, on va faire autre chose. Parce qu'il faut que je teste, hein, vraiment pour avoir le cœur net. Yandere-chan. Attends, on va tester si je peux... Voilà, donc je l'ai, le 3. Donc R. Après, je testerai avec Yandere-chan si ça marche. Donc, voilà. Et est-ce qu'on peut peut-être modifier sa taille ou un truc comme ça? Vu que maintenant, je sais quel objet c'est. Je me suis trompé de touche, pardon. Ah, apparemment. Tokuko, tu peux pas m'aider, stop. Tokuko. Please. Parce que, attends voir, je l'ai placé. Midori, ça avait marché, mais l'objet... L'objet, ça a pas marché. À moins qu'il faut le replacer peut-être avec un Fly with Camera. Mais du coup, je ne sais pas. N'hésitez pas à me le préciser au cas où. Donc attendez, je vais lire les commentaires après. Je vais juste essayer un truc. Parce que là, c'est bon. J'ai l'objet, ça c'est clair et net. Parce que duplicate, place. J'ai beau faire place, ça marche pas. Oh punaise, il a réussi à se coincer dans moi, quoi. Position. Et je peux pas le déplacer. Et en plus, il est pas à la bonne position par rapport à moi. Par rapport à mes coordonnées. Donc, je sais pas pourquoi 0. Donc tout ça, je peux pas le faire. Tout ce qui est déplacement et tout ça. Apparemment, je peux le dupliquer, ça, y a pas de problème. Le poser, je ne sais pas où. Shape, je sais même pas ce que c'est. Animation, qu'est-ce que tu vas faire comme animation avec ça? Parce que, attends, il y a ça, mais... Planfix Blocker. Pardon, je suis vraiment concentré comme tout. Non, en fait... Attends, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé parce que j'ai l'impression que ça bug un peu. Je vais lire vos commentaires, peut-être que vous en saurez plus. Donc, autant Midori, tout ça, je pouvais déplacer carrément l'école. Mais il y a des trucs que je peux pas placer. Pourtant, quand tu regardais l'école, il se plaçait là où j'étais. Si tu regardes bien. Mais là, pour le coup... On va mettre Yandere-chan. Je vais réessayer et je vais lire vos commentaires avec Yan-chan. Yandere-chan. On va bien voir. Hein. Ensuite, X. On va faire Avanced Edit. Avanced. Pardon. Donc Yan-chan. Blabla. Duplique. Kate, oh! Avec les bras de Megami. Toujours avec ses gants, je sais pas pourquoi. Et si je fais place, ça fait quoi? Je peux la dupliquer, mais... Oh, on dirait un vieux bug Windows XP là. Quelle horreur! Mais n'importe quoi! Mais ça, je peux faire et pas le reste.
Mais regardez, je peux faire du n'importe quoi, je peux même pas déplacer un objet. Mais c'est quoi ce délire? Mais non. Tu crois que tu peux bloquer? Ouah, tu peux bloquer les gens, tu fais un labyrinthe comme ça. Ouah, j'ai 4 FPS. Ah, mon ordi supporte pas. Attention les sisters Bassou, j'ai envie de vous coincer. Attends. Ah, vous êtes un peu trop rapide, je vois plus rien. Au secours. Oh punaise. Au PC. Ah, attends, je crois que j'ai bloqué Sakyu. Attends, attends, elle essaye de s'échapper. Ah, oh, oups là, attends, attends, il faut, faut redescendre là parce que sinon, sinon elle va réussir à... Mais c'est n'importe quoi. Attends, on va fermer ça parce que c'est vraiment n'importe quoi. J'arrive même plus à le faire correctement. Je vais avoir mon ordi, il va laguer, un truc de fou. Waouh, j'ai plus d'FPS, pourtant il est... Ah, ah. Toutes les Ayano, elles se déplacent en même temps. What the fuck, j'ai une armée d'Ayano. What the fuck. Je comprends plus rien. Regardez, elles se déplacent toutes en même temps. What, ça fait quoi si tu fais la carte? Ah non, c'est un seul. Ah non, regardez. Regardez, il y a toute notre armée. What the fuck. Il y a toutes nos Ayano partout. Mais non, mais c'est n'importe quoi. Regardez, tout en marche, allez. Mais c'est n'importe quoi. Oh punaise. Ça fait quoi si... Attendez, ça bug un peu beaucoup. Je vais juste faire un test. Attendez, si j'y arrive, parce que c'est pas évident. Je vais lire en commentaire après. Hein. C'est, ça bug beaucoup. Hein. Je pense que ça bugera déjà moins comme ça. Alors, hop. Allez, voilà. Ah non, ça bug quand même à fond. Oh, comment ça bug? Oh, j'arrive même pas à me déplacer. J'ai mis trop d'Ayano. Au secours. Voilà. Attends. Je sais même pas. Putain, t'imagines, tu fais ça. Je crois que ça va bugger un truc de fou. What the fuck? Wouah, c'est qui me pousse? Eh hey, oh, 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 doucement. Oh, c'est qui m'a poussé? Ah, mais parce qu'il doit y avoir une Ayano dans les WC. Ah, d'accord. Regardez, en fait, il y a une Ayano, elle réagit pour toutes. Mais non, mais arrêtez. Mais je peux même pas avancer. Ouais, il y a une Ayano, elle va chez le directeur, c'est bon, on est foutu, hein. Écoutez les amis, je ne peux même pas... Ah, attends, c'est bon maintenant? Ouais. Oh punaise. Oh non, pas encore. It's you. Mais comment ça se fait que je suis tombé? No, that would be impossible. You must be... Mais n'importe quoi. Mais j'ai encore clamsé. I'll tolerate you in my school, but not in my office. Mais j'y peux rien, moi. Leave. At once. Mais tu vois bien que... Nothing for you to achieve here. Just get out. Oui, bah attends 2 secondes. Ah, il y en a une Ayano là en bas. Attends, je vais faire ça. Voilà. Parce que j'y arrive pas autrement. Voilà, je vais faire un meurtre pour voir. Attends, on va voir s'il y a plein d'Ayano qui suivent Senpai ou pas. Oh punaise, même ça, ça lag.
Oh. Ah bah voilà, on n'avait même pas de cinématique. Bon, attendez, je vais lire vos commentaires. Punaise, mais c'est tout simplement n'importe quoi. Attends, qu'est-ce qui se dit dans les commentaires? Donc, alors, tu vas refaire un live. Ah oui, c'est ça, donc... ouais, alors... non, Roblox, s'il te plaît. Alors, j'aime bien la contradiction, non, Roblox. Donc, je pense que tu veux du Roblox, c'est ça. Je vais voir. De toute façon, il y aura des vidéos normales qui vont sortir. Alors, tu as un Discord dedans, mais je vais l'installer. Vous inquiétez pas. Alors, directeur en mode Omea wa Mushinderu. Je crois que ça veut dire tu es déjà mort, mais tu ne sais pas, ou une connerie comme ça. Mais sœur, je crois qu'elle me l'avait dit. Ah oui, il est plus grand. Alors, on a Bringze. Alors, progress, someone can translate the title of the live. Alors, I. Attends, comment je peux le dire ça? Alors, comment on dit découvrir? Discovered? Je sais pas. I discover the postmod KFGTBZ et and after it's a joke. Voilà. Bon, c'est ça. Je sais pas le traduire hein, bien. Sorry, my English is very bad. Alors, bonsoir de Paris, d'accord. Un bon François le Français. Voilà. Alors, du coup, voilà, bonsoir. Voilà, c'est ça. N'hésitez pas à me dire hein, d'où vous venez. Alors voilà, des bonjours entre vous. Alors, comment faire exploser son PC exactement? Voilà, Justin. N'hésite pas à dire si tu es nouveau ou pas, je ne sais pas. Alors, imagine, il accélère le temps. Alors là, c'est un truc de fou. Alors, meilleur jeu de l'année, le jeu le plus pété. Alors, essaye de reset la journée. Alors, je ne voulais pas du tout quitter. Je voulais tester un truc, mais en fait, ça marchait tellement pas que je voulais encore faire un crime, tu vois, pour voir avec la police. Mais en gros, voilà, bon. Alors, à la base, je voulais déplacer des objets, mais ça marchait pas très très bien, en fait. Donc, ce que je crois que j'ai pu remarquer, c'est que je peux... attends, je peux faire ça. Attends, je vais prendre quelqu'un que j'aime bien. Tiens, elle, par exemple. Ah, attends. Ah, on peut pas... On peut pas choisir les personnages. Kokona, on peut pas. Kokona Haruka. Mais pourquoi Ray Blue, on peut pas. Mais non, mais c'est Kokona. Corridor. Sana. Oh, attends. Je suis peut-être trop près en fait. Osana. Donc c'est R. Pourquoi Raiburu on pouvait pas. Bon. Ensuite, tu fais ça. Donc ça c'est pour les personnages. Please just relax. I'm sure it's not that bad. Just make the most of things. Pardon, je connaissais pas. Waouh, comment elle est enragée. je m'attendais pas à ça. Je connais pas toutes les scènes hein, parce que souvent je m'arrête qu'au lundi. Oh punaise, mais j'étais c'est pour ça là j'ai pas parlé, mais j'étais choqué comment elle était agressive là. Pourtant je l'adore ma petite Osana et Troussinette, mais agressif comme ça c'est peut-être pas forcément sûr. Alors attends, qu'est-ce que je fais moi? Oui c'est ça. Je suis trop perturbé moi. Donc c'est ça, donc on a Studano Tsana Najimi. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec elle? On peut faire plein de choses. Enfin, je suis pas trop sûr. On peut la dupliquer. D'accord, mais elle est où? Sinon, on peut la placer. Ah, mais regardez! Ouais, mais c'est... Ah, mais on a tous les duplications. Voilà. Ah oui, là c'est magnifique. Il y en aura forcément une pour moi là.
What the fuck, ça bug. Attends, je vais voir si je peux... si je peux remplir leur task ou pas, si ça... Comment avoir 1 million de points, tu sais. La vitesse des trucs. Bon, déjà, avec Osana, ça marche. Allez, changez toute votre casier, chaussures dans votre casier, blablabla. Personne qui se pose la question pourquoi il y a plein de... Elle a fait un multiclonage. Coucou, Osana. What the fuck? Mais regardez. Je mets le côté pour Now that you mention it, yeah, there is something I need help with. Mais c'est quoi ce délire? Tu crois que je peux encore... Attends, je vais voir le directeur. But I don't want to go back in there. Je peux encore clamser. I'm worried I'll get lost and be stuck in there for hours. Je peux pas monter jusqu'au directeur. But would you be willing to go to the hedge maze and get my phone charm for me? T'imagines elle sort ça? Really? You'll do it? You're a lot more brave. Yeah. What the fuck? Regarde, je me suis encore téléporté. Mais c'est quoi ce délire? Mais je comprends plus rien, moi, c'est bugué à fond. Oh non. Osana, c'est quoi ce délire? Même toi, tu bugs. Mais je comprends plus rien, moi. Tu sais, je mettais le joystick de côté, tu sais, pour sélectionner le task, et ça m'a fait tourner à Yano en orbite autour d'Osana. Mais moi, je comprends plus rien. Ah mais ouais, mais je peux pas lui remplir son task à l'infini, il y a qu'un seul objet chat. Je suis con moi aussi. Enfin quoique, à la limite, il va peut-être respawn. Réputation plus 1. Attends, sinon j'ai qu'à faire... What the fuck? Mais regarde, je peux remplir le task à l'infini, c'est n'importe quoi. Mais non. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais non, je suis bloqué. Et je peux pas quitter le truc. Je peux m'échapper de l'école. Allez, je vous emmerde, je rentre à ma maison. Voilà, c'est que... En très mal fait, mais... Mais c'est quoi ce délire? Mais il se passe quoi, là? Attends, oh, je peux plus rien faire. Je peux pas sortir le téléphone, je peux plus rien faire, au secours. Je peux pas sortir le téléphone, je peux pas faire debug menu. Et en plus, je peux pas descendre ou monter comme je veux. Je peux me déplacer, mais je peux pas du tout régler la hauteur. Attends, je vais essayer d'aller près de Senpai, si j'y arrive. Attends, il y a une Osanette Roussinette qui est en train de se déplacer. Senpai, arrête-moi. Je suis trop haut, je crois. Attends, elles sont toutes en train de partir, là. Je comprends plus rien à ce qui se passe, les amis, je peux plus rien faire. Je peux pas annuler le machin. Mais what the fuck? Mais j'ai peut-être pas envie de m'arrêter là, en fait, parce que c'est... Je sais pas, en fait, bon, après, je suis limité, hein, par contre, au niveau de mon déplacement. Regarde, c'est dommage que je puisse pas aller voir le directeur. Attends, tu crois qu'il a la tête à l'envers, le directeur, ou quoi? J'arrive pas à voir. Parce que, c'est des fois, il se retourne. Quoi? Ah, j'allais dire, t'imagines, tu peux quitter la maison, l'école, comme ça? Mais what the fuck, c'est n'importe quoi. Attends, je peux pas interagir avec des objets normalement. Bah non, je suis en mode fantôme. Bon, attendez, je vais lire vos commentaires là en attendant parce que c'est... Ok, je suis nouvelle et je suis une fille. D'accord, il n'y a pas de problème. Je dois partir, j'ai cours demain. Il n'y a pas de problème et merci d'être passé. Voilà, un bug magnifique avec plein de Osanette Roussinette. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle, hein, n'hésitez pas à vous abonner, hein, bien évidemment. Mais c'est... Là, c'est un truc de taré, ça.
Bon, attendez, mais comment je peux... Comment je peux... Je peux même pas quitter le truc. Je suis obligé de quitter le jeu, carrément. Bon, attendez, on va bientôt s'arrêter là. Je vais relancer une dernière fois le jeu. Et, attendez, si j'y arrive encore à retrouver le truc pour le pause mode. Voilà, il faut le lancer comme ça, je crois. Donc, pardon, hein, ça va... Il y aura un écran noir un petit peu. Alors, ça va pas durer encore trop longtemps. De toute façon, après, il y aura le live Subnautica. Et la vidéo... un tuto sur Roblox, sur Adopt Me. Qui va sortir. Pardon, je commence à être fatigué, moi. Donc là, ça va. Les horaires sont pas trop mal pour aujourd'hui. Là, je peux faire deux lives sans problème. Bon, normalement, j'aurais pu le commencer plus tôt, mais il y avait un manque de gens au début. Donc là, c'est pas mal. On a vu pas mal de trucs intéressants, là. Surtout vers la fin, des bugs. Donc je vais quand même mettre des bugs, parce qu'on sait jamais, hein. Dans le Amai Challenge. Oh, attendez, on termine avec le Amai Challenge. Je vais voir si je peux l'utiliser. C'est pas dit, hein. J'essaye, hein, de voir, on sait jamais. Mais t'imagines, t'es encore dans le Alphabet Killer Challenge en même temps. Oh, punaise. Et Brian qui dit je suis mort. Ouais, je pense que là, on a atteint le summum des bugs, là. Tout ça pour plusieurs Osana encore en plus. Punaise, attendez, je pense que là, tu... Avec tout ce qu'on a vu et ce que tu combines, ça soit dupliquer l'école. Oh, regardez! On y est, justement. Attendez, je vais faire mes petits réglages. Hop, voilà, ça c'est fail. Est-ce que je peux l'ouvrir? Oh, je peux l'ouvrir! Mais par contre, je peux pas ouvrir le debug menu. Oh là 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 là. Oh. Amai, viens voir là, toi. Oui, oui, avec ta voix, là. Bon, attends, voir. Attends, ça marche, Amai, ou pas? Ah ouais, attends, par contre il me faut... Ah, j'ai la rivale, ok. Par contre, il faut que je fasse d'abord un autre réglage, c'est ça, je crois. Je sais plus si c'est dans Stuff. Je crois que c'est là. Voilà, ça c'est le mieux pour moi. Hop. Ensuite, fly with camera. Fly with camera. Fly with camera. Voilà, j'essaie de le faire bien en accent anglais. Amai Oda Yaka. R. Sauvegarder, normalement. J'ai envie de tester d'abord avec une personne. Donc, je vais la dupliquer une ou deux fois pour pas faire bugger. Après, je vais essayer un objet. Ça, c'est bon. Normalement, je peux toujours pas lui parler, bien évidemment. Alors, Amai, on va la mettre devant Riba. Tiens, elle va tenir compagnie, ma petite... Oh, elle me fait tellement de la peine, en plus. En plus, Osana, elle est là, normalement. Attends. Non, mais Ray Blue, je l'aime bien, donc... ça me fait trop de la peine, en plus, d'avoir comme ça, ou Osana aussi, tu sais. Bon, peu importe, on s'en fout, c'est pas ce qui nous intéresse vraiment. Donc, je crois que c'est ça. Donc, on a bien Amai... Et logiquement là-dedans, on peut là d'abord dupliquer et la placer. Voilà, on en a deux. Oh, t'imagines le Amai Challenge avec plusieurs Amai? Ça serait un truc à tester, ça. Et voilà, on a plusieurs petites Amai. Comment compliquer le challenge à fond, tu sais. Ouais, ça pourrait donner une idée.
Ouais, t'imagines. Attends, je me demande ce que ça fait. J'ai juste regardé un truc avant de terminer avec un objet et après. Et après, on s'arrêtera là parce que non seulement il faut que je mange, mais en plus, j'ai aussi envie d'aller aux toilettes. Alors, petite Adjia qui risque de bien bouger, donc ça risquerait d'être un peu compliqué. Donc, attends, mais là, j'ai déjà repéré, donc ça va. À peu près. Moi, je suis pas encore habitué trop au manœuvrage de ce truc-là. Attends. Regardez le truc qui se met à l'envers. Attends, Adjia. Attends, ça va peut-être pas être simple. Ah ouais, merde, elle tourne, pardon pour les gros mots. Ouais, nourris quelqu'un. Vas-y, nourris qui tu veux, je m'en fous. Voilà, c'est bon. R. Donc, je pense que t'as compris ce que je veux faire. Enfin, je suppose. J'ai juste envie de voir si la flèche, elle va se mettre à bugger. Elle est mignonne, sa voix de Akane. Bon, on s'en fout un peu. Je m'attarde sur des détails. Alors que le plus important c'est ça, mais test. Donc edit transform, on va faire duplicate et place. Duplicate, 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 duplicate. Et du coup. Bon voilà, elle se met carrément à bugger. C'est moche hein, quand même. Alors attends voir. Où est-ce qu'elle est Adjia, j'ai juste envie de voir en taguant si j'arrive à la trouver correctement. Maintenant elle est là parce que j'ai fait duplicate et replace. Bon, ouais, sinon il faudrait que je passe un autre truc. Ouais mais je pense que ça va pas compter en tant que clone. Il va compter la vraie, je crois. Voilà, regarde. Ah, c'est bon. Donc on a la vraie ici et les clones, ils sont encore là-bas, c'est ça? Ok, non, mais c'était juste pour voir si ça buguait ou pas la flèche. Bon, par contre, on a bien un bug, c'est que Adjia, elle bouge plus. Bon bah voilà, je me demande bien d'ailleurs qu'est-ce que ça fait si tu tues un de ces clones. Bon maintenant on va s'intéresser à un objet. Donc on va prendre un Big Tree. Ouais, on va prendre ça. On va faire au plus simple, hein. On va pas se casser trop la tête. Et du coup je vais me mettre. Ah oui c'est vrai, je peux pas. Je peux pas me téléporter, j'ai encore les vieilles habitudes. Du coup, je vais mettre sur le toit pour voir. J'arrive à le replacer correctement. Voilà, on a aussi la troussinette avec sa coupe changée, donc un petit peu dommage que Ray Blue elle soit si triste que ça. Donc voilà, on y est. On va faire ça. Onset Edit. De toute façon, on va bientôt s'arrêter là. Edit Transform. On va faire d'abord une duplication et un place. Alors, apparemment. Ouais, mais le place il fonctionne pas. Donc, je pense que. Il y a un truc à faire là. Hein. La duplication, je crois qu'elle fonctionne. Alors, attends. Autant. Attends, il y a un truc qui est rentré dans mon corps là. On dirait un esprit là qui a possédé là, Ayano. Alors, edit scene. Attends, je me trompe de touche encore. Juste envie de terminer un truc. On va s'arrêter là. Et tree. Ouais. Transform. Duplicate, place. Duplicate, place. Alors on va refaire encore ça parce que regardez. Là, quand je fais ça.
Tu as carrément autre chose. Oh, mais... En fait... En fait, je crois que je les ai placés, mais en fait, il y a que les feuilles. Parce que regardez, oh, ça fait trop beau, t'en mets un peu partout. Ça fait trop beau comme ça. Oh, pardon, je m'attarde au truc, mais... Attends, qu'est-ce que ça fait si je fais ça? Courtyard. J'ai déjà peur, hein. Attends, on va voir. Ouais, j'en étais sûr. Oh, regardez! Attendez, j'ai envie de plein... Regardez, c'est en train de pousser à fond. Voilà. What the fuck? Oh, punaise! Oh, regardez, moi, cette horreur! Mais c'est quoi ce délire? Mais c'est quoi ça? Oh non! Oh, mais je peux même pas. Oh non! Punaise, attends, je vais descendre. Mais je peux même pas descendre! Oh punaise, on termine en beauté. Mais non, ah, je peux même pas. Attends, je peux traverser ce truc? What the fuck? Ça va, Ray Blue, tranquille? Tu trouves pas qu'il y a quelque chose d'un peu chelou derrière toi? Je m'en bats les steaks. Voilà, elle est en train de dire ça. Mais en plus, Osana est même pas morte au final. Ouais, tu peux l'examiner, la fontaine, hein, mais je crois que c'est les arbres qu'il faudrait examiner plutôt. Oh punaise, non, mais c'est n'importe quoi. Ah non. Ah, punaise. Et le pire, c'est que mon jeu, il lag pas tellement que ça. C'est ça encore le pire dans cette histoire. Oh, punaise, non! Mais non! Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est horrible! Mais comment c'est possible, ça? Mais c'est quoi ce délire? Attends, j'ai presque envie de replacer à différents endroits. Oh, punaise. Oh, punaise, on termine en beauté, là. Attends. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a encore en plus? À part la fontaine au plein milieu et un sol un petit peu chelou. Oh, c'est encore pire que tout! C'est encore pire que tout! On est dans une autre dimension, les amis! Attends, j'ai même en replacé ici. J'ai envie que cette école bug encore plus. Ce n'est pas assez. Mon ordi va exploser à la fin. Attends. Comment je vais faire ça? Je vais encore me tromper de touche. D'abord tu fais place et après duplicate. Vas-y, j'appuie fort sur le clavier. Regardez, c'est n'importe quoi. Et le pire, c'est que mon ordi tient encore un peu près. Ça va, il a pas encore 3 FPS ou tout ça. Oh non, là, c'est devenu n'importe quoi. Et les gens, c'est comme si tout était normal. Non, mais
T'imagines, tu joues normal comme ça. Ouais, il faudrait que je fasse un... Comme si de rien n'était, tu sais, une vidéo normale. Je vais faire un live comme ça, comme si de rien n'était. Ah, tu crois que je peux le sauvegarder ou pas? Voilà. Attends, on va faire ça. Ah non, mais c'est terrible. Mais c'est trop chelou. Mais c'est trop chelou, punaise. Oh. Attends, je vais faire debug. What the fuck? Ah, ils ont trouvé un corps. Oh, le challenge failed! Oh, magnifique, voilà! Bon, alors du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Attends, je vais quand même voir qu'est-ce qui se dit alors. Roblox Step, wow, best école ever. Dites non à la drogue, c'est ça, l'alcool, c'est de l'eau, exactement, j'allais dire les XD. Voilà, alors du coup, hop, je rafraîchis juste les derniers petits commentaires. Voilà, donc, ok, j'avais les derniers. Donc, du coup, attends, je vais juste vérifier ça. Ah non, malheureusement, malheureusement, ça garde pas les bugs du pouce bon. Bon, sur ce, on a bien rigolé. J'espère que ça vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Il y a pas mal de likes, donc c'est très sympa. Sur ce, c'était Valmanjack et je vous dis bon appétit, à tout à l'heure ou sinon à la prochaine.